Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Hall of Torment. Pour le moment, c'est un prologue qui est sorti, le jeu n'est pas encore disponible, il n'y a pas encore de prix, pas de date. On est bien évidemment sur un Survivor qui reprend un petit peu tout ce qu'on a envie de retrouver sur un Survivor. On va avoir un choix de personnage, je vais prendre le guerrier qui est le personnage de base. Des possibilités d'upgrade, j'ai juste pris un petit peu de distance d'attaque, pardon, et de récupération d'XP. Ici, on a des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on fait certaines choses. Là, on va choisir le level. Et puis, on va aller surtout péter des gueules. C'est surtout ça qui nous intéresse. Le jeu a vraiment un visuel pas incroyable, mais en fait, ça le fait. Parce que s'il y a bien un truc que nous a appris Vampire Survivor sur ce type de jeu, c'est qu'il fallait pas être plus beau qu'intéressant. N'est-ce pas, Forspoken? Ouais, tu sais, l'élève un peu pourri de la classe, c'est toi. Alors, chaque level va nous permettre quand même de choisir jusqu'à 4 upgrades, ce qui est plutôt pas mal. Ça a l'air cool, ça tape beaucoup plus loin. Et ça, c'est chouette. Souvent, on en a deux, entre 2 et 3. 4, c'est bien, c'est un bon compromis. De toute façon, plus il y en a, mieux c'est. Quick Hands, Attack Speed, on prend bien évidemment. Plus on tape vite, plus on fait de dégâts, c'est bien connu. Hop. Alors on a une belle barre d'XP sur la gauche. On va avoir aussi un système un peu de stuff. Est-ce que c'est... Ouais, ici, on peut avoir de l'équipement, on a les stats du personnage. Donc c'est... Il y a un côté... On vous a fait un jeu de rôle, mais on avait la flemme de... un petit poil de barbe. On avait la flemme de faire un vrai jeu de ouf, de rôle. C'est bien, évidemment, c'est pas du tout ça. Messieurs les devs, si vous tombez là-dessus, pas de vous là-dessus, mais on a préféré faire un jeu comme ça. On va rajouter des chances de crit, comme ça au moins on s'est pas trop cassé le cul. Moi ça me va, ça m'évite de jouer à des jeux de rôle, des vrais qui sont ennuyeux comme la pluie, avec je suis ton allié et le twist de moitié de jeu c'est en fait je suis pas ton allié, je suis ton ennemi. Oulala, que vas-tu faire pour te battre contre moi? Je m'en bats les couilles. Ah d'accord, pourquoi le héros dit jamais non mais en fait je m'en fous, le sort de l'univers est entre tes mains. Ouais mais y a piscine en fait, donc ferme ta gueule, hein, c'est trouve-toi quelqu'un d'autre. Oui mais il n'y a que toi qui as ce pouvoir. C'est faux, alors déjà on est quatre, frères et sœurs, et on a tous le même. Alors va appeler mes frangins, me casse pas les couilles, et ah ben d'accord, très bien, bon ben fait, allez hop. Et plutôt que de se taper 4 CD comme dans un Final Fantasy sur PlayStation où il y avait plusieurs CD pour le jeu. Oui, les plus jeunes ne se rendent pas compte qu'il y avait des jeux où il fallait changer le CD pendant le game. Eh bien, on s'arrête à la fin du premier CD en mode voilà, c'est terminé, c'est cool. Next. On fera pas l'affront de parler des disquettes. Hop, parfait. On continue là-dessus, hein, ça a l'air bien. Ah, des blobs. Ah, les blobs, les ennemis, il est tellement agréable, putain de l'univers. Qui aime les blobs? Personne. Ah, il va falloir que je change ma régène de vie qui est assez faible. Si on peut voir, des fois, il est marqué 1 qui monte en vert. Genre, oui, j'ai gagné un point de vie. Vous en avez 500, monsieur. Oui, c'est vrai, j'en ai pas gagné beaucoup au final. Effectivement, oui, vous êtes fort en mathématiques, est-ce que je vois? Je suis guerrier, là. Allez. Peut-être du speed, ça peut être bien. Parce que je sens bien le moment où je vais me faire choper le fion par un ennemi qui sera plus rapide que moi et je vais être dans l'incapacité totale de le counter. Qu'il faut. Est-ce que c'est un auto-aim? Est-ce que si je... Non, il tape toujours là. Ouais, on est d'accord. Je me suis habitué au jeu avec des auto-aim et je trouve ça bien. Vraiment jouer avec une seule... Merde, j'appuie sur espace comme si j'avais un dash. Vraiment jouer avec une seule main, c'est un... Des fois, ça est juste tranquille. Et puis voilà quoi. Est-ce qu'on fait d'autres mains, hein? Pas du tout. C'est juste. Ça donne une position de glande. C'est posé en arrière, genre. Je suis trop vite train de jouer, qu'est-ce que c'est le mort. Et voilà. Après une bonne journée stressante,
de boulot et de cours. Est-ce que t'es pas un peu content d'être avachi en arrière? Pour ça que des fois, même sur PC, se sortir un petit jeu à la manette là, hein, histoire de souffler, ça fait plaisir. T'as les mecs qui ont acheté des claviers et des souris à 150 balles pièce. Non, moi je joue jamais à la manette. Oui, mais c'est parce que... Je sais pas. Quand je joue à Dark Souls, je joue à la manette. Oh putain, l'hérétique. Oh, écoute. Let's go. Qu'est-ce que c'est? Nouvelle arme. Alors, soit on prend... Summon Metal Orbs that circle around you and damage enemy. Donc un truc qui tourne, ok. Ça, ça tire sur des ennemis. Shoot short range projectile in vertical. Ok, donc un truc qui tombe du ciel sur les gens. On va prendre le needle. Ça avait l'air sympa. Ouais, ça tire assez vite. Oh putain, ça tire même très vite. Attendez. Vous croyez que vous allez me baiser là? Non, non. Tu m'aurais bien passé? Ouais, merci. C'est marrant parce que souvent les jeux comme ça, ils ont soit une musique. Et il y a une espèce d'ambiance. T'as l'impression d'être dans un donjon de Diablo 1. Et alors que pas du tout. Oh ouais, cool. Parfait. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va se retrouver avec des armes. On va avoir des upgrades qui n'affectent pas les deux armes. Donc il va falloir faire attention à ça. Allez, on leur éclate la gueule là. Quick hands, ok. Ouais, ça peut être très bien ça. Plus de range sur les needles, plus de crit également. J'ai pas vu. Oui, ça transperce ça. Ça fait un peu moins de dégâts si t'as pas 42, là où mon coup d'épée t'as pas 96. Donc, en fait, ça fait à peu près la moitié, hein, un tout petit peu moins de la moitié des dégâts. Mais c'est pas grave, ça permet d'avoir une attaque à distance. Alors, l'autre personnage, hein, l'archer, a une attaque à distance par défaut, donc c'est vraiment un autre gameplay. Mais il me semble qu'il débloque le même type d'arme. Après, on est sur un prologue, hein, il n'y aura pas 4 milliards de choses différentes. Bloc. Les firing speed. Yes, normalement, on va tirer beaucoup plus vite. Ouais, 20%, ça va. Au niveau de la vie, on est bien. Il faudrait régénérer un peu plus. Ce serait bien de se faire un level où on prend de la régène de vie. Hop. Attention, petit diablotin qui marche assez vite, mine de rien. Et qui crève en 3 coups d'épée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, des jarres de feu. Et ils marchent dedans comme des cons. Hop, popo de vie. Popo de vie. Popo, putain. T'es un peu mal placé. Mais ça va mieux. Ok, parfait. Toujours pas envie. Vas-y, j'ai plus gros critique. Toujours pas envie de me donner ni vitesse de déplacement ni régène de vie là. Ils se sont dit c'est bon, il a eu assez de luck sur le début, mais pas du tout monsieur. Régène de vie, let's go. Voilà, vous voyez pourquoi j'avais pris du speed. Je me souvenais de lui la première fois où je l'ai vu, il me courait après, mais en fait il courait plus vite que moi. Ce qui fait que le combat a pas été très intéressant. Hein. Il m'a juste foncé dessus et puis j'ai pas pu l'esquiver. J'ai pas compris l'intérêt du combat à partir du moment où le boss est plus rapide que toi. Et là, ça se passe un peu mieux. Ah, mais il y a un parchemin là à prendre. Attendez, monsieur. Mais il y a un parchemin là aussi. Ah là 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 là. Il observe rien, le con. Attends. Ouais, très bien. On va lui foutre le feu à ce bâtard. Il marche dans le feu là? Ouais, c'est bon ça. T'aimes ça de prendre des dots de feu, hein? Alors, c'est qui le patron, putain? Vas-y, on va refaire la même. Voilà. Parce que ça lui a fait pas mal de dégâts, mine de rien. Les squelettes qui sont en armure, qui sont allés s'acheter. Quelques fringues chez Ikea en attendant le run. Aïe aïe aïe. Ok, c'est bon. Alors, dans des jeux comme ça, on se dirait que si j'arrête de taper, je pourrais courir plus vite. Mais comme on ne s'arrête jamais de taper, bah, il n'y a pas du tout d'effet du genre. Faut juste avoir un peu de luck. Alors, on va pas tarder à le fumer. Mais je le fais pas beaucoup, en fait. Allez, on y est presque. J'ai l'impression que le truc s'est changé en coffre. D'ailleurs, on va le tuer là.
Meurs. Yes. Ah, parfait. Alors, soit 100% de pick-up range, 5% de PV, 20% de vitesse d'attaque. Ouais, allez, hop. Bah. Vitesse d'attaque. Merde, je pouvais peut-être acheter plusieurs trucs. Non, c'est bon. Ok, ok, le coffre. Alors, comme il était à l'opposé de défense bloc, ok. When you dull, quand je reviens à la vie quand je meurs, 50% de vie, ok. Plus 4 à la défense. Bah, j'ai deux trucs de défense et j'ai un truc de revive. Voilà, hein, tout simplement. Par contre, j'aimerais bien avoir une autre compétence, monsieur. J'ai l'impression qu'ils prennent plus trop cher des coups critiques. Ouais, parfait. Done tout. Parfait, done tout, encore une fois. Ah putain. Il y en a tellement. De damage, bien sûr. Ok, on se refait entourer là. Ça passera pas, messieurs. C'est des squelettes tout pourris. Qu'est-ce que vous avez cru? Vous m'avez pris pour un jambon. Un bon pâté en croûte. Qu'est-ce que c'est? C'est vampire ça? Ah putain, ça casse des boules de feu. Fuck, je suis pas allé aussi loin. Ok, on a tué les deux. Il y en a plein qu'on pop. Enfin, faut qu'on passe. Faut qu'on aille vers le parchemin, toujours la même idée. Alors c'est bien parce que les squelettes avec des boucliers, bah forcément on leur fait pas de dégâts vu qu'ils ont un shield et en fait on leur fait tomber le bouclier. C'est du détail hein, mais je trouve que c'est un petit détail sympa. Genre ça aurait pu être, ils auraient pu juste avoir une barre de vie plus longue ou quoi, et c'est rigolo. Parce qu'indirectement, ça veut dire que s'ils avaient une barre de vie plus longue, ça voudrait dire grossièrement qu'on peut les tuer en un coup si on faisait un max de dégâts. Et comme ils ont un shield, et qu'ils sont obligés de faire tomber le shield pour mourir après, pour qu'on puisse taper dans la barre de vie, eh ben, on n'a aucun moyen de les one-shot. Et ça, c'est cool. Peut-être qu'il y aura des trucs hein, qui dira... one-shot les armored bestioles. Attends, on va les tuer là, ce connard. Ok, on en a tué pas mal. Je refais un peu d'XP avant d'aller chercher le pare-cheux. Il y a un timer quelque part? Je suis niveau 17, ok, il y a un timer en bas à droite, ok. Laissez-moi récupérer l'XP. Oh, des plus gros blobs, avec beaucoup de vie, il semble. Vu la taille des blobs, ça m'étonnerait même pas qu'ils se split en crevant. Je crois qu'il y en a qui ont split. Vas-y. Ouais, ça split. Fait chier. Ennemi de merde. Ah, il split en 3 en plus. Mais quel jeu de ces morts split en 3 les ennemis? C'est en 2 les mecs, la règle. Non, nous, split en 12. S'il vous plaît, non. Une nouvelle version vénère des squelettes avec encore de l'armure. Ah bah lui ça va être sympa. Ah bah il perd de la vie lui. Lui il casse totalement ma putain de théorie sur les squelettes avec des boucliers. Tu me casses les couilles. Voilà, pour la peine, va marcher dans les flammes de ta grand-mère là. Aïe. Ok, alors on a le truc qui... Ah, les lightning. Lightning ça a l'air cool, regardez. Bzzz. J'avais testé vite fait. Ça tombe assez souvent pour que ce soit cool. Ah ouais, c'est des 500 points de dégâts. Oh là. C'est hyper fort, 250... 500, non, 540, ok. Mais t'as pas du tout envie de jouer d'autres armes, en fait, quand tu vois ça. Je veux dire, le truc qui lance des petites dagues qui font des 40 points de dégâts, quel est le putain d'intérêt quand tu peux taper en full random à 500? Parce que même si c'est random, ça avoine. Et plus 75 en dégâts, pardon? Ouais, c'est bien ça, ok. Alors, il y a beaucoup d'ennemis, donc forcément, le boss, il prend pas souvent le bolt. Mais c'est pas grave. T'es à peu près sûr qu'il y a des décès à chaque bolt. C'est cool ça.
J'ai vraiment l'impression de descendre dans un donjon. L'ambiance sonore, elle est rigolote. Ils ont bien joué le truc. Allez, hop, on rajoute du dégâts sur les crits. Quest complete, Carven 2, wouh wouh. Attack speed, j'aime bien l'idée. Merde, il y avait du 10% de dégâts, je suis con. Bon, c'est pas grave. Oh, que c'est que cet ennemi moche. Oh là là, il va... Vite, faut mourir, monsieur le bouclier. Vous allez me donner une nouvelle arme, je suis sûr. Et c'est le moment de prendre les boules qui tournent. Du pick-up range, tiens. Prendre l'XP de plus loin. Me semble être une idée. Ok. Ah, des nouveaux blobs. J'imagine qu'ils empoisonnent et qu'on va éviter de les toucher. Y'a des flaques, putain. Y'a des flaques, putain. Quand il meurt, ça empoisonne le sol. Ça ne peut pas empoisonner le sol, monsieur. Oui, non, mais vous avez compris. Est-ce qu'on peut les tuer un jour? Putain, il y en a des nouveaux qui pop. Donc oui, on peut les tuer, mais ça ne terminera pas. On va tuer ce connard de boss. Après, il va falloir réussir à récupérer son connard de loot. Aïe. Ah, putain, je l'ai juste pété son shield. Te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Charge speed, critical damage. Ok. Comme souvent, hein, j'ai pris aucun item de défense. Donc, autant vous dire que ça va très mal se terminer pour moi. En plus, je vais vraiment pas vite. C'est-à-dire que pour fuir la... Oh, vas-y. Pour fuir la situation, ça va être compliqué. Oh non, c'est juste une arme pourrie comme ça. Oh non, c'est nul. Je m'attendais tellement à autre chose. Alors, j'ai pas lu. Ça me fera la bite. Mais bon. Monsieur. Est-ce que je peux me faire rembourser? Speed ou... Vas-y. Régène de vie. Ah, ça va un peu plus vite là. Ça va un peu plus vite. Ça reste du 1 PV, calmons-nous. C'est pas incroyable. Par contre, il y a de moins en moins d'ennemis. Ah, ça y est, ça repop. Ah, très bien, on venait juste de finir de tuer ton frère. Par contre, si tu fais les mêmes spells que l'autre, ça va pas être incroyable. Ah, le truc il tire toujours en horizontal par contre, donc en fait il va falloir que je dash en horizontal si je veux... Oh putain, oh putain, oh putain. Vas-y. Il va me falloir de la vie. Là il y a des caisses. Ah oh, putain, mais je frappe dedans, ça les one shot pas ces merdes. Ah mais ils font hyper chier eux là qui courent vite. Ouais. Vas-y. Je suis preneur. Plus de régène. Ah là 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 là. Je m'attends à me faire bourrer la gueule par les mecs qui courent. Et dès que j'ai plus de vie, c'est le boss qui va me moesse. Ah oui, 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 des mecs qui blastent. Oh, des mecs qui blastent à distance. En plus, c'est ce qu'on voulait. Alors pour le coup, je trouve ça assez cool quand même d'avoir un ennemi qui fait des zones. C'est pas tout le temps qu'on a des choses à esquiver comme ça d'ennemis dans les jeux de ce type. Donc ça, je trouve ça très très intéressant d'un point de vue gameplay. Par contre, rajouter les connards qui courent là, vous êtes des enfoirés. Est-ce que ça vaut le coup de prendre de la def maintenant? La réponse est oui, bien sûr. Regardez, j'ai 10 PV. Il faudrait que j'arrive à level up. Avant de mourir, pour avoir du speed, ce serait pas mal. Ah oh oui, c'est vrai! C'est vrai que je revive une fois! Je suis trop fort! Je vais l'éclater le jeu! Je vais l'éclater, je vous dis! Oh merde! Comment ça passe? Oh là 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 là! J'ai presque tout esquivé!
ça c'est pas du tout par contre. On était... Oh non, qu'est-ce que c'est des connards qui TP maintenant avant de... et blast à distance. Non mais par contre, vous êtes pas obligé de faire tous les trucs chiants. Hein. Vous pouvez faire des trucs sympas, on s'amuse, tout ça. Non. Il fallait que ce soit hyper casse-couille. Bon, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que ça... Déjà, on n'est pas juste sur des ennemis qui nous courent dessus. Comme je disais, il y a des patterns de boss, ça c'est chouette. Il y a pas mal d'upgrades possibles, pour le moment déjà. Ce qui est assez intéressant. Deux persos, peut-être trois, j'imagine, vu comment ils sont disposés dans le lobby. Ce qui peut être aussi également chouette. Donc on est quand même sur un jeu... Oh merde. Oh quoi? Je suis passé. Parfait. Vas-y. Qui est plutôt pas mal, hein. Qui est plutôt annonciateur de... il y a des choses. Il y a des choses. J'aimerais bien le tuer parce qu'il a, il est assez grand pour ressembler à un boss de fin de level, quoi. Ah, j'avais pas vu que le timer, c'était un timer inversé, en fait. C'est pas depuis 20 minutes tout à l'heure. C'était, il restait 20 minutes. Donc non, c'est pas un boss de fin de level. Vas-y, c'est le moment de prendre un peu de speed. Par contre, j'ai peur que, vu le temps que je prends à le tuer, qu'il y en a un autre qui débarque avant que lui soit mort. Parce que je manque cruellement d'attaques à longue distance, là. Vas-y, marche dans les flammes, bâtard. On l'a pas eu. Dommage. C'est bien qu'il y ait des flammes, ça aurait été bien qu'il y ait plus de trucs comme ça. C'est toujours une super idée maintenant. Il y a des tonneaux explosifs, des tonneaux de flammes, ça on en trouve dans à peu près tous les jeux. C'est vrai que mettre à la même chose un tonneau de glace, c'est peut-être un peu con, mais pourquoi il y a des tonneaux de feu s'il n'y a pas des tonneaux de glace? Mais c'est vrai que je trouve toujours ça intéressant, la mécanique du tonneau. Je trouve ça juste dommage qu'elle soit pas exploitée avec d'autres effets. Oh la vache, ma vie. Comment tu veux survivre à ça? Oh là 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 là, je revive pas les mecs, hein. Wouah, putain. Oh super, un autre boss. On en parlait. On tente une diagonale de la survie. Intéressant. Merde. Return to come. Putain, on a bien survécu. Est-ce qu'on a débloqué des nouveaux trucs? Choose a hero. Est-ce que là on peut tirer? Non. Il y a des trucs qui peuvent être débloqués plus loin. Ok, donc là on a tout ça, ok, à débloquer, qui sont assez intéressants. Je vais juste vous montrer l'attaque de base, mais on s'arrêtera. Ah, et voir vite fait le deuxième level. On s'arrêtera là-dessus, bien évidemment. Le but c'est pas de se refaire un run, mais c'est vraiment intéressant. Je trouve que... Voilà, hop. Ouais. T'as passé vite, il y a beaucoup moins de PV. Hein. L'autre en avait 450, je crois, donc... Ça va être complètement différent. En tout cas, clairement, comme je disais, ça annonce du bien. Ça annonce ça annonce quelque chose d'assez intéressant. À voir, il faudrait qu'il y ait plus, au moins un personnage en plus, un mage, hein, finalement. La base, on a un guerrier, un ranger et un mage, ce serait cool. Peut-être plus d'armes, plus de déblocage d'armes, parce que on tape beaucoup avec les mêmes choses pendant les runs. Maintenant, clairement, le jeu, le prologue est gratos. N'hésitez pas à aller le tester, faites-vous plaisir, hein, c'est toujours pareil. Si vous aimez ce genre de jeu, et tant que c'est gratuit, bah, autant en profiter. Ça vaudra toujours mieux que du contenu regardé, binge-watché sur internet. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos, les prochaines games. Allez, salut !